Salut les gens, comment ça va? C'est la rentrée! Ouais. Attends. C'est qui celui-là, là? C'est... On les connaît pas, là. Vas-y. Mais, vous êtes... Attends, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas ma communauté, ça. Mais... Ah, mais je suis pas logué sur la bonne chaîne! Mince. Mais c'est qui? Oh, mais c'est Jeff! Mais qu'est-ce que je fais, là? Bon, attends, on fait l'intro, on s'en... Hey, on s'en bat les couilles, justement. on va faire l'intro de Jeff. Attends, je regarde sa dernière vidéo. Il fait quoi d'habitude? Ah! Ça tombe bien. Ah! À quoi? C'est... Bon, bah, on fait l'intro à Jeff, allez. Bonjour. Il fait comme ça, souvent. Bonjour. Mais du coup, ouais, c'est le retour d'un gars de la team qui avait arrêté, qui avait des projets en cours, souvenez-vous. Des projets de transformation physique. Du coup, là, tu leur donnes des indices, là? C'est ça le truc? Ah, c'est ça, je leur donne des charade. Indices. Il faut une charade? Il faut une charade. Ça commence par un... Un B. Un B. Et ça finit par un noix. Tout le monde a compris, c'est le retour de Benoît sur la vidéo de Jeff. Du coup, bah, bon courage à toi, poteau, hein, pour la reprise. Ça risque d'être compliqué, mais je te fais confiance. Ça va piquer. Mais je te fais confiance. On espère que tout va bien se passer pour toi, parce que t'es avec Jeff. Et Jeff, on sait que c'est... C'est un sacré celui-là. Ouais, attention, hein, si t'as le pneu arrière qui gratte, c'est Jeff. C'est Jeff. Donc, je vous dis un bon visionnage, un bon courage à toi, Benoît. Bisous les potos, bisous Jeff. Et tuce à la Belgique. Association de gens normaux. On est des types super sympas. Ambiance ultra amicale. Association de gens normaux. En fait, toute la semaine, je me suis dit que j'allais laver demain. Sauf que toute la semaine, jusqu'à dimanche, je me suis dit ça. Donc voilà, c'est pas bien. Bon, ici, je suis avec ma team. Hein, donc, ils sont tous rasés la barbe. Donc, Joël, Kevin. Putain, les gars, vous avez changé. Hein. Mais je crois que le pire, c'est Pinera. Franchement, Jérém, ça te rajeunit de te couper la barbe. Regardez, il est là. On peut pas le louper. On est sur Namur. On va faire une petite balade avec la team Benoît. Ah donc le connard pour de l'XC parce que j'aimerais encore une fois me refamiliariser un peu avec. Perte de confiance, toujours mal au poignet, ça me prend la tête. Donc voilà. On y va. Comme tu le vois, je repasse en caméra frontale. Non, pas du tout, en caméra dorsale, parce que la caméra sur le casque, ça me fait loucher et c'est vite désagréable. Ça me rappelle la passeport en passant entre les vaches. Bon, sauf que là, il n'y a pas de montagne, mais c'est plutôt une autoroute, si tu veux. Non, c'est bon, je suis bien dans ton aspiration, ton odeur, tout quoi. Ah, je suis un enfoiré. Oula, la technique. Voilà, les branches bien dures comme ça, hop. Je suis à droite. Hop, hop, hop. Quel enfoiré celui-là. Comme d'hab, hein, je me suis dit bon, je vais mettre mon petit brubec parce que ça caille au départ. Et je regrette déjà, après 3 km, j'ai beaucoup trop chaud. Mais j'ai le sac à dos, effectivement. Seulement, tu connais, hein, faut que j'enlève la caméra, que j'enlève la veste, que je loue le sac à dos. Tu vois, rien que de le dire, j'ai la flemme. Alors on attend Benoît. Benoît, c'est sa première côte depuis longtemps. Allez Benoît, tout va bien? Ça va. Nickel, t'as posé le pied? Non. C'est parfait alors, bravo.
Ah voilà, ce qu'on aime bien, les ronces et les orties, c'est parfait. Faut se réveiller, rien de mieux. Bon, on s'inquiète un peu parce que on a fait un parcours sur Open Runner ou une application dans le même style, j'en sais rien, qui indiquait donc 28 km et 450 D+. Le problème, c'est qu'on a fait 8 km, actuellement, on a dû faire 60 D+. Donc tu comprends le délire? Ça veut dire que sur les 20 derniers kilomètres, on va se taper plus de 400. Normalement, ça va piquer. Donc je pense que tu le vois pas sur la caméra là, mais c'est un... on voit vraiment tout le bout du chemin. Et jusqu'au bout du chemin, ça monte. Je sais pas si t'as remarqué, mais depuis que je suis tombé, mon vélo grince de ouf. J'ai longtemps hésité, suspension, pédalier, après avoir éliminé toutes ces options, parce que je pense que c'est au jeu de direction. Allez, grincement d'un vélo pour le localiser exactement, c'est quand même chaud. Les petits bruits suspects là, comme ça. Je pensais que c'était la salle à un moment donné. Non, mais là, je crois que c'est le jeu de direction. Ok, on va démonter, on va regresser, on verra bien. Ça va, Benoît? Ça va, toi? Fais pas de style, t'es à l'aise, hein, écoute, je connais le délire, hein. Je suis aussi à l'aise qu'un poisson sur un terrain de football. Déjà, est-ce qu'on peut discuter tous les deux là? Est-ce que, ou alors tu veux rester concentré? On peut discuter. Ok. Soir. Dis-moi. Moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé récemment là avec ta fourche là? Il t'est arrivé une belle apparemment. Le pas de vis là, c'est complètement desserré. Ouais. Et les ressorts sont sortis en dehors. Donc ta fourche est ouverte, c'est ce que tu es en train de me dire. C'est ça. Ça fait quel effet quand tu vois ça? Ça fait bizarre. Heureusement, c'est une fausse fourche. J'ai pu la resserrer et continuer. Donc c'est là aussi, dans ces détails-là, que tu comprends qu'une fourche peut coûter 800 balles et d'autres 200 euros, quoi. Je vais avoir besoin de ma deuxième main parce que j'ai un peu dur. On a presque fini. T'attends un pote? T'inquiète. Je connais tellement cette excuse. Allez Benoît, lâche pas, vas-y go. Si tu arrives à aller 2-3 km/h plus vite, tu n'auras pas cet effet d'arrêt après devant chaque caillou. Ouais. Sinon moi ça va, hein, c'est ça, si jamais tu te poses la question. Ouais. Actuellement je vais bien quoi. C'est que j'ai vraiment mais tellement envie de... Oh putain! Voilà, je suis dans des coins super sympas. Comme quoi on ne connaît pas nos régions. Hein. Il y a une super ferme là avec plein d'animaux. Un beau château, je sais même pas te dire où c'est. Et c'est pas loin de la maison quoi. Donc évidemment, je te laisse imaginer l'odeur que nous avons ici. Tu la connais un petit peu. Hein, hein, t'as qu'à faire un peu dans ta main, tu le mets près de ton nez, puis là tu seras avec nous quoi. Je crois qu'on est... Oh putain. Oh putain. Oh. On est sous de la pluie. Alors là mon gars, tu le sais pas, mais on vient d'en monter une belle. Plusieurs ont mis le pied à terre. Pas moi. Mais je le paye sa race. Bien joué les mecs. Bravo. Parce que celle-là, elle piquait. Elle piquait sa race. Ouh. Ah, je me suis concentré là-dessus. Hein. J'essayais de penser à TikTok, à des trucs qui font plaisir quoi. Ah ouais, ça prend la vitesse là. Tout droit, putain, heureusement. Oh putain. Oh les vitesses, elles sont pas du tout bien passées là, toi. Ah oui. Tu tournes pas à droite que toi. Ok, il y a une petite descente sympa ici. Ça descend un peu, ça descend raide là. Enfin, raide. Hop là. Hop là. Ah là, laisse tomber. Ah, ah. Et là, je suis content d'avoir dégonflé mes pneus, sinon ça serait jamais passé. Bon, de toute façon, a priori, il n'y a pas de chemin par là. T'es certain que c'est pas à gauche? Non, c'est pas là. Allez, on va dans le champ alors. Non, on va passer en dessous. Oh, je passe en dessous aussi. Il y en a un qui lève le fil et que tous les autres passent en dessous.
Fais confiance, passe pas de la barbelée, hein. Sinon tu crèves. Hein. Mais il le soulève là. Bah non, je suis passé. Ah, attends, je vais prendre tes vélos, je vais prendre les vélos. Oh, on est en train de vivre une aventure, les amis, c'est incroyable. On est d'accord que là, c'est la merde. Hein, on se confond avec les vaches, on est d'accord. Je crois qu'il y a le taureau qui est juste là, là, regardez. Je crois qu'on est vraiment perdu là, tu sais. Bon, apparemment, les vaches s'en battent les... Elles s'en battent les tétons. Elles s'en battent les pis. Qu'est-ce que vous faites là? Mais c'est le GPS, hein. GPS, la famille c'était en voiture ou en 4x4. Donc là on refait demi-tour, c'est ça que je suis en train de comprendre. Ouais. Coup. Avant. L'aventure continue parce qu'il n'y a pas d'aventure sans crevaison, qu'on soit bien d'accord. Probablement à cause des barbelés. Ah. Il s'est passé un truc très marrant, c'est dommage que j'ai pas filmé, mais Nico, comme sur internet. Donc on était dans le champ si tu veux. Et là il y a une barrière qu'on doit passer, donc lui se prend la tête à monter le vélo par-dessus, à l'enjamber, presque à se faire mal aux burnes. Et t'as Jonathan qui passe derrière, qui l'ouvre comme une fleur. Vraiment qui passe, c'était trop drôle, trop drôle. Comme sur internet là, les mêmes blagues. Ouais, putain, ouais, il a ouvert. J'avais pas vu. C'était vraiment trop marrant. C'est l'heure de là. Qu'il a volé à sa fille, bravo. Santé Emma. Bon, on est d'accord que personne t'aide. Super. Par contre, je sais aussi que j'ai roulé dans le caca. Et je sais qu'à un moment donné, le caca va sortir de mes pneus. Après, il faut juste savoir où est-ce que ça va atterrir. Ah. J'en peux plus. Bonjour toi. Ça va? Ça va? Bien? Non, tu t'en bats vraiment les couilles? Ah, tu m'ignores complètement en fait, ok. Ok, t'es une meuf comme ça toi. Ok, ça va. C'est de grosse vache. Ah, regardez-moi ces bouffons, laisse-moi à pied, regarde-les. Voilà. Ah les bouffons quoi, ils montent à pied les cons. Ah merde. On préfère rester derrière parce qu'il y en a un qui était dans le groupe de tête tantôt, il s'est fait pomper. Reste derrière, c'est plus prudent. Allez, ça c'est une belle route lisse qui monte. C'est parfait pour les roues arrière ça. Allez jusqu'en haut. Je te mets en accéléré. Et normal. Pop, ça nickel. Oh. Je suis à droite. Je suis à gauche. Ouais, mais gauche ou droite. Ça casse. Eh ben c'est vraiment chouette. Là j'ai pris un peu de sensation, ça m'a fait plaisir. Yes. Ouh. On m'annonce que c'est la côte un peu piquante devant, peut-être la plus dure du parcours d'ailleurs. Il est où Benoît? On va attendre Benoît. Là mon gars, ça descend assez sévère. Je pense qu'il y a quelques mecs sur Terre qui sont capables de le faire. Mais ils ne doivent pas être nombreux. Ah, c'est même impossible. Ah, c'est impossible, laisse tomber.
impossible. Ok, nous sommes au point de vue, donc nous sommes dans les bois de Marche-les-Dames, c'est ça? Ah oui, je m'étais pas rendu compte qu'on était... Oh là, c'est le bâtard! Oh, j'ai vu de battre. Ah ouais, d'accord, ok, d'accord, bon là j'y vais pas par exemple. Ok. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, on est tout en haut, donc si on est tout en haut, ça veut dire qu'on n'est pas en bas. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Même la fly, elle passait ici, la fly. Ouais, la fly, on passe par ici, mais on passe ouais. Par là. Ouais, putain, mais j'ai fait tout ça, non? Oh. Bon, ici, on enchaîne les points de vue, on a un second apparemment. On fait pas les blagues du genre je te pousse. On va les éviter. Ah, mais j'oserais vraiment pas aller plus loin. Moi, ça me donne un peu le vertige. Hein. Quand tu vois que celle-là, c'est juste mes pieds sont là, et là, il y a la mort clairement, quoi. Bon, je m'en vais, je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis pas bien, je suis pas bien. Mais on peut faire les photos tous sur le rocher, là. Ouais, on peut, ouais. C'est vrai que l'arbre, il est en forme, quoi. Je suis content de te voir. T'es sûr, t'es prétentieux quand même là. Attends. Recule. Je range le vent. Mais bon, c'est quand même dangereux parce qu'on est d'accord qu'on longe la falaise depuis tout à l'heure du coup. C'est pas qu'il prend le plus de plaisir. C'est vrai que c'est... Et là, regarde-le. Oh la ballerine quoi. Ça sera à mettre dans le dossier comme avec la flaque d'eau. Regarde à l'esprit qu'à gauche, ça fait mal quoi. Faut surtout pas mettre le pied à gauche. Donc descends ton vélo hein, si tu préfères, ouais. Oh, ça sera mort. Regardez un peu comme il est beau aussi. Oh, c'est beau. Ah oui, il y en a sûrement beaucoup qui vont me dire que ce jeune homme n'a pas son casque. Malheureusement, il l'avait oublié. Voilà, ça arrive d'oublier son casque. Voilà, il est au courant, on le sait, on lui a dit. Voilà, soit il roulait pas, soit je filmais pas, pour pas avoir de réflexion. Qu'est-ce que tu choisis? Check. On choisit de rouler, de filmer, voilà. Ça va toi ou quoi? Ça va. T'as eu des crampes? Bah comme un peu l'autre fois avec Nicolas, mais j'ai vu plein d'eau, ça a été. Ok, bon voilà, ça commence à devenir un peu du suspense tout ça. Allez, on attaque un peu. Oh putain! Oh, je suis en panique! T'arrives au bout de tes forces? Les jambes ont du mal à tout. C'est les jambes? Le cardio ça va ou c'est un peu les deux? Un peu de tout. Un peu de tout. J'avais mal au cul, pour pas m'arrêter, je me suis dit autant me mettre un peu à pied. Pour partir. Donc là actuellement t'as le cardio, le cul, les jambes. Il y a tout. Ah merde. Non non, le vélo se repose. Wow. Attends, attends. Je suis à droite. Je suis à gauche. Ouais. Allez, descente. Waouh. Ah, j'adore. Je fais le malin en descente et là, regardez que ça monte, bam! Je me fais fumer. Il est où ton parrain là? C'est ton parrain, Benoît? Il galère un peu là? Donc on peut considérer que t'es bien plus fort que lui, c'est ça? Bon, en fait, Benoît, là, je vais essayer de zoomer un max. Donc les pixels vont devenir très dégueulasses maintenant. Si tu vois une espèce de boule rouge, 2-3 pixels rouges, bah c'est Benoît. Et apparemment, ils sont à l'arrêt, donc à mon avis, il doit cramper. Bon, Benoît, vraiment, on est tout cœur avec toi, hein, c'est vrai. Ok, bon. Dépêche-toi, il va bientôt faire nuit quand même. Chaud?
c'est un... Magent, toujours, toujours la même. Ouais. À ce point-là, là, t'as du mal à poser? Tantôt, ouais, là, on a... c'est pour ça qu'on a marché un peu. Et le fait de marcher, après, ça va bien. Allez, on arrive aux voitures. Il y en a qui sont dans le dur, donc on va, on se retrouve aux voitures tranquillement, quoi. Ils sont redos. J'aime pas trop. Parce qu'il y a la... Bah ouais, le truc c'est qu'on a tout, on a plus d'élan là. Fais gaffe parce que t'es. Il pique un peu donc t'es emmené vers l'avant, mais toi vraiment bien en arrière. Et bien en arrière, bien en arrière. Bien en arrière. Voilà, en arrière à fond. Voilà. C'est bien, bravo. Voilà, bien. Par contre, là, c'est exactement ce qui me fait mal au poignet, toujours. Pareil. Est-ce que toi aussi, tu touches ta voiture quand t'arrives? Bon, bah voilà, écoute, hein, je crois qu'on l'a vraiment mérité, celle-là. T'as remarqué mon petit masque de chez Brubeck, hein, ils sont en vente chez eux. Je vais venir prendre une des deux quand même. T'en as ramassé les capsules? Ouais. Bon bah les mecs, merci pour la balade, santé, et bah j'ai envie de te dire à la semaine prochaine. Allez, santé. Putain, t'es un con. Ça va, ça va pas boosté. Je te jure, je balance sur toi. Ça va pas boosté. Il est con lui. Allez, à la semaine prochaine.